Bonsoir, bienvenue à Mediapart. Le Pen et la torture. Sous ce titre, l'historien Fabrice Riceputi prouve l'implication du fondateur du Front National devenu Rassemblement National dans la pratique de la torture à Alger début 1957. Un livre événement, un passé toujours présent. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Fabrice Riceputi, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre est aujourd'hui même en librairie, aux éditions Le Passager clandestin, en partenariat avec Mediapart, et c'est un événement essentiel, on va le voir. Ce n'est pas seulement du passé dont il s'agit, mais de notre présent. Face de vous, Malik Haraal, votre collègue, elle est historienne également, elle est directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. C'est bien la preuve qu'il s'agit aussi de notre présent. Alors Fabrice Riceputi, pour le dire très rapidement à celles et ceux pour qui c'est de la vieille histoire, nous sommes donc en 1956-1957, Jean-Marie Le Pen est député déjà, poujadiste. En décembre 56 et jusqu'à mars 57, en tant qu'engagé volontaire, il va rejoindre la bataille d'Alger, cette guerre à outrance, torture comprise, ordonnée par le pouvoir de l'époque, sous la 4e République, le Premier ministre et le gouvernement pour l'essentiel est social. Le Premier ministre s'appelle Guy Mollet et cet engagé volontaire, le lieutenant Le Pen, est au 1er régiment étranger parachutiste. Alors, ces faits sont connus. Au moment même, en 1957, à deux reprises, vous le rappelez au début du livre, Le Pen assume « Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé ». Il dit même à l'Assemblée nationale, pour certains de ceux qui me regardent, là, nombre de nos collègues, je pourrais passer pour être le mélange d'un officier SS et d'un agent de la Gestapo. Il assume. Alors pourquoi y revenir? Le Pen a aujourd'hui 95 ans. Ces faits datent d'il y a 67 ans. Pourquoi y revenir aujourd'hui? Alors l'explication, le point de départ de ce livre, pour une fois, est assez simple. En mars 2022, avec comme des millions d'auditeurs de France Inter, j'ai entendu, dans une émission par ailleurs de bonne qualité, affirmer avec aplomb que Jean-Marie Le Pen n'avait sans doute pas torturé à Alger. Alors, je suis tombé de ma chaise, comme d'autres, et j'ai réalisé à ce moment-là que les dernières révélations relatives au passé tortionnaire de Le Pen remonte à plus de 20 ans, que les différentes pièces du dossier qui ont été accumulées de 1957 à 2002 n'ont jamais été rassemblées. Elles sont disponibles, si on fait des recherches, dans les archives de la presse. Voilà. Et que jamais aucun historien n'avait pris la peine de les réunir, de les analyser, de les replacer surtout dans le contexte extrêmement particulier qui est le contexte de la bataille d'Alger, hein, sur laquelle je travaille, moi, avec Malik Haraal, notamment, depuis plusieurs années. Voilà. Donc, j'ai entrepris ce travail qui, à mon avis, est d'utilité publique, puisqu'on met à disposition des citoyens français une histoire qui a manifestement été oubliée par beaucoup aujourd'hui. C'est le dossier complet, texte et contexte, et il faut rappeler, d'où notre partenariat, qu'au départ, la première ébauche, c'est une série parue sur Mediapart pendant cet été, Le Pen en Algérie, lutter contre l'oubli, que vous avez publié sur Mediapart. Alors Malik Haraal, on va évoquer d'ailleurs votre travail en commun, y compris sur Mediapart à l'été 2022, où nous aviez fait l'honneur d'une très grande série autour justement d'une disparition algérienne, et puis on va venir jusqu'à un site internet que vous avez, que vous animez ensemble, milhaud.org. Mais revenons sur le contexte, surtout pour les plus jeunes, ce passé qui ne passe pas. En 2022, c'était les 60 ans de l'indépendance, vous avez publié un livre formidable, Algérie 1962, l'histoire populaire de cette guerre d'indépendance et de cette libération, de ce moment de l'indépendance. Et dans cette interview que vous nous aviez accordée à cette époque, vous expliquiez « La France n'a jamais fait son tournant anticolonialiste. » C'est tout là le problème. Et vous disiez au fond que la France,
aujourd'hui critiquer l'esclavage et dire que c'était une monstruosité va de soi, critiquer la collaboration et le nazisme va de soi, le colonialisme ça ne va pas de soi. Pourquoi ? Oui, alors on renvoie à une sorte de parallélisme où on dit bon ben quand même c'est compliqué des deux côtés, dans les anciens pays colonisés comme l'Algérie c'est compliqué et en France c'est compliqué, mais en fait il n'y a pas du tout de symétrie entre les anciens pays colonisés qui deviennent indépendants dans les années 50 et les années 60 et les anciens pays colonisateurs. Et une des raisons de ça, c'est le fait que pour les anciens pays colonisés, il n'y a pas de doute sur ce qu'il faut penser du passé colonial. On en est les héritiers, il en reste des traces, il en reste des choses dans la société, mais par contre on est quand même très très au clair collectivement dans ces sociétés sur le fait que s'accaparer d'autres territoires, soumettre des populations à un régime inégal, exploiter leurs richesses, les faire travailler à notre bien-être, c'est en gros pas très bien et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et ça, pour les anciens pays colonisateurs, finalement, on n'a jamais eu le besoin collectivement de créer un consensus là-dessus et le débat reste étrangement ouvert. Il est rendu peut-être plus prégnant, plus complexe encore en France, où on a d'anciennes personnes qui ont été favorables à la colonisation, où on a des gens qui ont lutté contre la colonisation, où on a aussi des migrations qui font qu'on peut avoir des héritiers de la colonisation d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel. Et du coup, cette absence de consensus sur ce qu'a été la colonisation, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile, peu clair et, je trouve, explique beaucoup de la dureté des débats que nous avons aujourd'hui. On n'est pas au clair sur la colonisation, comme on est au clair sur la question du fascisme, du nazisme, sur la question, comme vous le disiez, de l'esclavage. Et ça, je pense que pour une partie de la population... Voire des crimes du communisme, hein, d'ailleurs, tout à fait, pour parler du stalinisme et de l'Union soviétique. C'est douloureux. En réalité. Voilà. Voilà. Et juste, pour toujours poser le contexte avant d'en venir au fait, dans ce livre, Algérie 62, vous montrez que, pour les deux côtés de la Méditerranée, que cet oubli français, ce blocage, ce passé qui ne passe pas, a aussi des conséquences pour toute une partie de notre population qui est issue de cette histoire, comme si ça devait être encore une histoire dans la déploration. Oui. Comme si, justement, le moment d'émancipation formidable, qui est la fin d'un pouvoir colonial, toute une jeunesse, y compris les droits des femmes aussi à ce moment-là, qui s'expriment, les rêves d'autogestion, enfin c'est tout ce que vous rendez hein, dans cette histoire populaire, une histoire par le bas, pas du côté du pouvoir algérien dans ce formidable livre. Et donc en fait cet oubli, ici en France, fonctionne aussi pour rendre triste cette histoire ailleurs. Oui, en fait, une des choses qui m'avait guidée, c'était le fait d'être toujours confrontée à des gens qui me parlaient de l'indépendance de l'Algérie comme un moment compliqué, où tout se passe mal, où ça va pas, c'est un mauvais départ, c'est une mauvaise fin, enfin, il n'y avait rien qui allait. Or, quand même, dans l'histoire du monde, on est plutôt dans un épisode très important de la fin de la domination coloniale sur les pays du Sud. Et donc, alors même qu'il y a des chapitres très durs où il est question de la violence qui perdure, de la dureté du moment pour beaucoup de catégories d'habitants, y compris d'habitants de l'Algérie, et pas seulement pour les Français d'Algérie qui quittent, mais c'est aussi une façon de remettre en avant ce que le moment pouvait avoir d'émancipateur, de libérateur, d'ouverture des possibles, et pas seulement pour les Algériens, mais comment pour en réalité plein de gens dans le monde, dans les pays du Sud, mais même en France, il y a des gens qui ont vécu l'indépendance de l'Algérie comme une victoire. On peut parler de ce moment comme un grand moment de l'histoire du monde. Ce qui m'a beaucoup touchée à la sortie de ce livre, c'est que dans les présentations publiques, dans les réactions des gens qui l'ont lu ou qui m'ont entendu présenté, on aurait dit qu'il y avait une sorte de soulagement au fait de pouvoir dire tout simplement ben, en fait quand même l'indépendance de l'Algérie pour le monde, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais ne le dites à personne, hein, mais en vrai c'était plutôt une bonne nouvelle. Ouais. En fait, au fond, malgré tout, ça a été une bonne nouvelle. Et ça, de pouvoir le dire dans un pays du Nord, dans un pays anciennement colonisateur, j'ai eu l'impression que même en France, il y a des gens qui recevaient ça comme un petit moment libérateur de la parole. Alors du coup, on va voir tout
ce qui a été fait dans un aveuglement colonial pour empêcher cette bonne nouvelle, au point de laisser des séquelles, y compris sur la société algérienne. Et on pense à toute la suite de tout cela. Alors, Fabrice Rissé-Putti, je cite juste une citation. D'ailleurs, vous dédiez ce livre à Pierre Vidal-Naquet, l'historien qui a mené ce combat très tôt, y compris dans un journal d'historiens militants autour des droits du peuple algérien, qui s'appelait « Vérité, liberté » en temps et en heure, et qui a publié le livre un peu de référence, le premier. Après, il y a celui de votre collègue Raphaël Blanche, qui est « La torture dans la République » en 1972, le livre de Pierre Vidal-Naquet. En deux mots, dit Pierre Vidal-Naquet en 1988, ce serait insulter Jean-Marie Le Pen que de ne pas le traiter de tortionnaire. Voilà. Alors, on va passer au fait. Qu'est-ce qui est établi qui permet, et que vous détaillez ici, résumez-le nous, qui permet de dire que Jean-Marie Le Pen fut un tortionnaire pendant ses trois mois de participation à la bataille d'Alger? Alors, il faut commencer par dire que Jean-Marie Le Pen n'est qu'un des nombreux tortionnaires de l'armée française à avoir opéré à Alger en 1957, dans un moment que l'armée française a présenté, a imposé dans l'imaginaire collectif sous le nom de bataille d'Alger comme d'une guerre contre le terrorisme, parce qu'il a effectivement traqué le réseau des poseurs de bombes du FLN durant cette année. Mais que ce que nos travaux montrent, et d'autres travaux aussi, ceux de Raphaël Branche, ceux de Pierre Vidal-Naquet, ceux de Sylvie Tenneau, par exemple, sur la justice, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que les chercheurs anglo-saxons appellent un politicide, c'est-à-dire la volonté folle qu'a eu le pouvoir de Guy Mollet à ce moment-là, de Robert Lacoste, de François Mitterrand, qui était ministre de la Justice. C'est l'éradication de toute activité politique autonome dans la population algérienne, de toute activité, y compris pacifique, bien sûr, nationaliste, indépendantiste, et que Jean-Marie Le Pen, il participe à une opération de terreur. – Sur ce point, quand vous dites toute manifestation politique, vous avez établi que derrière l'apparence de dire c'était une lutte contre le terrorisme, en fait, ce qu'il redoutait surtout, c'était une grève générale. Voilà. C'était un mouvement syndical des forces populaires, ouvrières, organisées au cœur d'Alger qui voulait faire une grève générale. C'est quelque chose de particulièrement important et intéressant. À la fin de l'année 56, le FLN qui sort de son congrès de la Soumam, sous l'impulsion de gens comme Larbi Ben Midi ou Aban Ramdan, décide d'opter pour une nouvelle forme de lutte collective, pacifique, on pourrait même dire démocratique, qui est le recours à la grève. Il décide d'une grève d'une durée exceptionnelle, 8 jours, qui est censée, selon leurs termes, faire entrer les masses algérienne dans la Révolution, hein, qui pour le moment, il y a surtout la LN, les maquis de la LN dans les zones de campagne. Bien. Cette annonce sème une véritable panique, je l'ai constaté en étudiant les archives coloniales, parmi les autorités françaises, et c'est cette annonce qui précipite la décision, c'est pas les attentats contre les civils, c'est cette annonce qui précipite la décision de lâcher 10 000 parachutistes sur Alger. La guerre totale décidée par un pouvoir de gauche, pouvoir socialiste, absolument, qui avait eu les pouvoirs spéciaux, votés y compris par le Parti communiste. Il faut rappeler toutes ces ombres qui pèsent sur notre... responsabilité absolument majeure. Alors, Le Pen, qu'est-ce qu'il... Alors, Le Pen. Le Pen, donc, il arrive comme lieutenant dans un régiment de légionnaires parachutistes. Et dès 1957, le FLN, auquel la qualité de député de ce lieutenant n'a pas échappé, publie dans une revue clandestine qui s'appelle Résistance algérienne, un premier témoignage sur les agissements du lieutenant député Le Pen dans une villa d'Alger qui s'appelle la Villa Les Roses. Dans le quartier d'El Biar, hein, oui, c'est ça. Dont on sait qu'il était l'endroit où cantonnait la compagnie de Jean-Marie Le Pen, et qu'il accuse donc de torture abominable, alors avec l'utilisation de méthodes qui ont été apprises par Le Pen en Indochine. Hein, il ne faut pas oublier qu'il a commencé par l'Indochine. Ensuite,
En 1962, Pierre Vidal-Naquet... À la photo du quartier qui passe à ce moment-là. Pierre Vidal-Naquet, qui est informé par le secrétaire général de la police de l'époque, qui s'appelle Paul Tedjen, publie des rapports de police du commissaire principal d'Alger, qui s'appelle René Gilles. René Gilles, ce sont deux des figures de résistance. Voilà, qui a entendu, donc qui a reçu les plaintes de deux Algériens qui ont été torturés par Le Pen, y compris à la fameuse Villa Cesini, dont il faut dire qu'elle était le PC, le poste de commandement du régiment pour, de Le Pen. Pour la triste anecdote, il faut dire que l'un, ils n'ont rien de nationaliste et de militant, ces deux Algériens particulièrement, l'un est même lié de manière en parenté avec un gardien de la paix, mais l'un des deux, c'est simplement parce qu'il n'a pas voulu servir à boire au lieutenant Le Pen. C'est-à-dire exactement. Que c'est vraiment la violence coloniale. Une sorte de torture privée, là, en l'occurrence. Ouais. Hein. Voilà. Alors, donc vous avez cité les déclarations de Le Pen qui revendiquent fièrement la torture, qui en fait l'apologie d'abord, et puis qui la revendique pour lui-même. En 62, c'est-à-dire à la date où l'amnistie qui a été décrétée immédiatement après les accords d'Évian lui garantit l'impunité, c'est très important. Donc là, il peut s'incriminer lui-même et dire « oui, j'ai torturé ». Puis il revient un petit peu sur ses propos avec un argument dont on reparlera peut-être, une sorte d'argutie sur le sens du mot « torture ». Bien. Et puis on oublie tout ça. On oublie tout ça jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen entame son ascension politique, et notamment, donc en 84, il est candidat aux européennes. On va y revenir sur la presse et tout, mais je voudrais qu'on reste encore une fois sur tout ce qui est... Parce que votre livre, il y a ça dans votre livre, il y a carte. Et je voudrais que Malika la commente, parce que vous avez fait ensemble une autre enquête sur un autre lieu, la ferme Perrin, il y a un an sur Mediapart. Parce que là, on voit tout ce qu'il y a devant des jeunes générations d'historiens. Vous faites ce travail de repérage sur place, comme vous l'avez fait cette ferme Perrin, vous avez ensemble été retrouver un nouveau lieu de torture. Ça veut dire que, en fait, c'est comme cette question de la torture et de cette horreur, c'est comme des archéologues. Oui. On est dans un travail où vous n'êtes pas seulement dans des archives, vous n'êtes pas seulement avec des documents, et même, on va y revenir, il n'y en a pas toujours de documents, vous êtes obligé de faire une archéologie. Parfois, il y a des gens qui habitent à un endroit où on a torturé. Oui, en fait, on a découvert, et ça a été quand même très étonnant pour nous d'en découvrir, même pas le nombre total, mais de découvrir à quel point il y en a partout dans Alger. On se rend compte que pendant cette période qu'on a mal nommée la bataille d'Alger ou la grande répression d'Alger, en réalité, les parachutistes ont utilisé toutes sortes de lieux, des maisons privées, des lieux publics, des caves viticoles. C'est effroyable, la séquence sur la ferme Perrin, parce qu'une cave viticole, c'est là où on met le vin, et en fait, ils sont dans des fosses, hein, c'est ça. Alors ça, on le savait de plus longue date. Moi, j'avais travaillé sur l'itinéraire de l'avocat Ali Boumengel, dont on avait plusieurs témoins qui nous disaient... Qui disparaît dans la même période. Hein, voilà, tout à fait, qui est enlevé le 9 février 57. Et on sait qu'il a été détenu à la ferme Perrin, et on a plusieurs témoins qui disent, on sait, on l'a vu, et il a été détenu dans les cuve à vin vide de cette ferme viticole. Dans la plaine de la Mitidja, c'est ça. Dans la plaine de la Mitidja, à l'extérieur d'Alger. Et on se rend compte que pour des Algériens suffisamment âgés, plein de ces lieux sont connus. Eux, ils se souviennent parfois d'avoir été avec leurs parents, leur mère, pour essayer de retrouver un père ou un frère qui a été kidnappé par les militaires. Qu'en fait, si on interroge les gens, on va pouvoir retrouver ces lieux dont ils ont été les témoins très direct. On va pouvoir les confronter à d'autres archives ou peut-être on va citer les mêmes lieux, et qu'il faut souvent aller sur place pour demander aux gens qui habitent encore là s'ils ont ce type de souvenirs. Je me souviens d'une enquête où on a posé la question d'une de ces maisons, et la personne à qui on posait la question nous disait « Quand j'étais petit dans les années 60, et y compris après l'indépendance, on disait c'était une maison hantée. » C'est-à-dire, lui, soit dans son enfance, il se souvenait d'avoir entendu des gens qui étaient à l'intérieur, peut-être des cris, peut-être, soit simplement les militaires lui ont fait croire qu'elle était hantée pour écarter un peu les enfants du quartier et les maintenir à distance. Donc en fait, il reste ces traces un peu fugaces de ce que la ville a été en 1957. Et je me rappelle aussi d'une amie un peu plus âgée que moi qui s'est un peu agacée de l'impression qu'on donnait de découvrir quelque chose d'incroyable que personne ne savait. Et elle me dit, mais Malika, tout le monde sait ça.
Voilà. Ouais. Donc je lui disais, bon, bah, nous, on ne travaille pas pour votre génération, on travaille aussi pour les gens plus jeunes, pour qu'il y ait une trace, pour qu'on cartographie, pour que des gens plus jeunes qui n'auront pas entendu toutes ces histoires puissent savoir que, en fait, tous les 500 mètres à Alger, il y a un lieu de torture. C'est très important ce que vous dites, parce que, y compris, on pensons à d'autres peuples qui ont vécu, y compris l'école française de la torture s'est exportée en Argentine, où il y a ce nouveau pouvoir. Quand il y a eu la prise de conscience sur la torture, il y a eu toutes sortes de lieux qui ont été identifiés dans la capitale, Buenos Aires, qu'ils veulent fermer, le nouveau pouvoir actuel, mais qui permettent de voir l'ampleur de la torture. Alors, revenons, Fabrice, sur l'ensemble de cette démonstration. Alors, pour répondre à votre question sur ce qu'on a sur Le Pen, on a une quinzaine de témoignages. Alors, donc je voulais rappeler qu'ils ont été obtenus par des enquêtes extrêmement sérieuses faites par deux journalistes auxquels il faut essentiellement deux journalistes auxquels il faut rendre hommage, c'est Lionel Duroy qui Libération. Travaillait à cette époque à Libération et Florence Bauger qui travaillait au journal Le Monde à l'époque où vous étiez vous-même directeur de la rédaction. Voilà. Ces 15 témoignages, je les ai repris, examinés, j'en ai fait une chronologie. Et ces témoignages sont parfaitement, alors à la fois très circonstanciés et s'avèrent parfaitement crédibles. Je donnerai un exemple, je citerai un fait à l'appui de cette idée qu'ils sont parfaitement crédibles, c'est qu'il se trouve que Jean-Marie Le Pen s'est absenté pendant 15 jours, au mois de janvier 1950. Pour revenir faire campagne. Pour faire une campagne électorale. Ça, personne ne le sait, en tout cas personne ne le sait à Alger. Et il se trouve que ceux qui ont témoigné et que certains ont accusé de faire partie d'un complot, d'une machination de l'État algérien, etc., aucun d'entre eux n'a situé son supplice pendant ces 15 jours. En revanche, ça commence le 2 février, date à laquelle on sait que Le Pen est rentré à Alger, et ça se termine quelques heures avant son départ, précipité d'ailleurs, probablement à la demande soit du ministre Lacoste, soit des généraux de l'armée française, parce qu'il a des agissements un peu trop tapageurs à Alger, des problèmes avec la police d'Alger, etc. Mais ce que je trouve, vous y avez fait allusion, vous m'avez devancé, ce qui est fascinant sur cette histoire, pour en avoir été partie prenante, en effet, au journal Le Monde, c'est combien, pour ce passé qui ne passe pas, finalement, c'est si difficile qu'il faut une sorte d'alliance entre journalistes et historiens, ce que témoigne notre travail. C'est-à-dire que les techniques d'investigation du journalisme doivent donner un coup de pouce aux historiens. D'ailleurs, il y a un exemple, y compris votre collègue autodidacte, j'allais dire, Jean-Luc Enaudie, il a dû faire ça comme un journaliste, d'une certaine manière, qui fait des livres, c'était sur la répression de 1961. Qu'est-ce que ça inspire cette nécessité d'un passage de relais où il faut que ce soit un journaliste et au fond comme si votre discipline, parce qu'on a cité Raphaël Branche, on a cité Pierre Vidal-Naquet, on a cité le travail qui a été fait sur la justice, mais il n'y a pas tant de choses que ça, donc pourquoi ça bloque ? Alors, on est quand même dans un terrain assez classique, finalement, de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, de cette frange la plus récente de l'histoire, où, finalement, on travaille beaucoup avec des témoins. On travaille aussi avant la période où les archives sont ouvertes ou aussi ouvertes qu'on pourrait espérer qu'elles le soient. Parce qu'elles ne le sont pas. Et parce qu'elles ne le sont pas toujours ou pas entièrement, ou qu'elles sont, voilà, qu'il y en a beaucoup à analyser et à filtrer. Et que, du coup, il y a une alliance et des méthodes qui sont parfois proches, elles se distinguent, mais pour quelqu'un d'extérieur, peut-être voir un historien faire des entretiens, c'est voir un historien presque faire le journaliste, en quelque sorte. Mmh. On est très proche dans nos méthodologies, on n'est pas si nombreux que ça, et du coup, effectivement, c'est assez normal qu'on se retrouve en alliance, on n'a pas toujours les mêmes obsessions non plus, on n'a pas le même rapport toujours au terrain, et on a tout intérêt à allier nos forces, les historiens avec leur capacité d'analyse de sources plus anciennes, de travail dans les archives, les journalistes avec peut-être une capacité de déterrer et d'être obstiné sur des sujets plus vivants et plus polémiques. Mais là, il n'y a aucune raison de ne pas... pourquoi en serait-il autrement ? Voilà, il n'y a aucune raison de ne pas s'allier. Parce que vous
rappelez, dans Fabrice Récépeti, dans le livre, comment il y a une différence, par exemple, avec ce qu'ont fait les États-Unis dans la période récente avec Guantanamo et la guerre contre la terreur, où ils ont fait de la torture, pareillement, hein, mais on a des traces, on a beaucoup de traces, on a beaucoup de rapports. Là, on n'a pas de traces, et y compris, il y a un événement qu'il faut rappeler dans ce course de relais entre journalistes et historiens, c'est ce moment que j'ai vécu en direct, où finalement, par un hasard, parce que le monsieur était vieux, on a eu le coming out, j'allais dire, du général Massu, celui qui avait défendu la torture, revendiqué et organisé, et qui, avant de mourir, répond à notre collègue Florence Bauger au Monde, je lui avais demandé de l'appeler, et il lui dit « Ah, mais c'est vrai tout ce qu'elle dit, votre témoin, Louisette Iguilarguise, oui, oui, je m'en souviens. » Et d'ailleurs, le type qui avait charge de tout ça, vous pouvez aller le voir, et il balance l'homme qu'il avait chargé de faire tout ce sale boulot, le général Oussares, ancien résistant, donc c'est, l'origine ne protège de rien, et du coup c'est comme ça qu'est née l'affaire Oussares, et qu'on a eu, donc c'est quand même plein de d'inattendus. Oui, alors sur la question des preuves justement, effectivement, les militaires américains à Guantanamo, ils pratiquent une torture qui a un cadre légal. Et donc, ils en tiennent la chronique, ils écrivent des procès-verbaux, et on sait quels supplices exactement ils ont infligés. C'est complètement différent pendant la guerre d'indépendance algérienne. Il faut savoir que, même si la torture était couverte et même encouragée par le pouvoir politique, elle restait un crime, jusqu'à l'amnistie de 1962. Et que donc, les militaires n'ont jamais, au grand jamais, consigné dans leurs archives la trace de ces crimes. Et donc, on ne trouve pas dans les archives, autre chose que du silence, du mensonge, de la dissimulation. Et donc, la seule source à laquelle on doit recourir, ce sont bien sûr, comme dans tous les cas de crimes d'État niés et dissimulés, la parole des victimes. Mais s'agissant de l'Algérie, si ce sont les journalistes de gauche motivés par l'antiracisme qui en 84 ou en 2002 vont voir des Algériens à Alger, et pas des historiens, c'est pas un hasard. On a très très longtemps, et pour certains c'est encore le cas, suspecté systématiquement la parole algérienne d'affabulation, comme si on était encore des ennemis, et recourir à la parole algérienne s'apparente encore pour certains à une intelligence avec l'ennemi, ce qui est absolument sidérant. Donc, moi j'insiste beaucoup là-dessus, la parole recueillie des témoins est parfaitement crédible, j'en ai fait une cartographie, une chronologie, je mets au défi quiconque de contester sérieusement la crédibilité de ces témoins. Dès lors, on ne doit pas jouer comme on l'a fait avec la notion de preuve en histoire, on ne doit pas utiliser les armes du négationnisme et constater que pour Le Pen, on a une quantité assez exceptionnelle de documents qui attestent que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ait démontré que ces documents seraient faux, il a effectivement torturé. Et ce qui est émouvant dans le livre, c'est de rappeler, parce qu'il faut montrer justement que les contradictions ont joué à l'intérieur du pouvoir colonial, les figures, et étonnamment, qui étaient du côté de la police face au pouvoir militaire. Vous les avez cités tout à l'heure, Paul Tedjène, qui était le responsable de la police, René Gilles. C'est-à-dire que les quelques traces écrites qu'on a, qui permettent officiellement de documenter cet usage, qu'on n'a rien de Lacoste qui est mort dans son lit, on n'a rien de Guy Mollet, on n'a pas de traces, alors que c'était les chefs, c'est eux qui ont ordonné, mais on a ça. On a. Oui, et puis on a aussi des traces parce que l'administration, finalement le fichier qui est au départ de notre enquête, le fichier qu'a découvert Fabrice, c'est un fichier qui est créé par la préfecture de police d'Alger parce qu'à un moment les familles viennent se renseigner sur les disparitions, viennent dire, bon ben nous, notre fils il a été enlevé, etc. à telle date, et quelqu'un se dit à la préfecture, il faut qu'on calme l'émotion, il faut faire retomber tout ça, comment on va faire, on va les faire remplir un document, ce sera toujours ça de prix, on aura l'impression Décrivez ce document, parce qu'il y a des marques et des repères, on a si j'ai bien compris. Des fiches, et Fabrice en parlera mieux que moi, des fiches simplement qui documentent, quelqu'un vient à la préfecture et on remplit le nom de la personne, sa date de naissance, son lieu de naissance, sa profession et l'adresse à laquelle on doit informer si on trouve des nouvelles et les circonstances de la dans laquelle la personne a disparu. Donc bien souvent la famille dit
ou quelqu'un, la personne qui vient, ce sont souvent les épouses ou les mères, parce que les femmes sont moins susceptibles d'être enlevées, et que je pense que les gens qui font ce type de démarche craignent d'être enlevés à leur tour, disent ben, il a été enlevé à la maison la nuit, ou il a été enlevé sur son lieu de travail la journée par les bérets verts, les bérets rouges, voilà, quelques annotations qui permettent un peu de localiser, dater tant bien que mal. Donc en fait, il y a quelque part, il y a dans la préfecture quelqu'un qui se dit « Bon, ben, on va documenter, parce que c'est ça que nous faisons. » Et peut-être des gens de la préfecture qui se disent peut-être qu'il y a quelque chose aussi à qu'il faut garder trace de tout ça dans une situation où on est un peu dépossédé, où ça ne va pas. Enfin, quel que soit la logique des acteurs, en tout cas, elle conduit à fabriquer de la trace. Mais peut-être Ce fichier, qui est votre découverte, qui est à l'origine de votre initiative, voilà, de créer ce site que vous allez nous présenter, puis après on va le voir plus en détail, 1000autres.org, qui faisait écho au moment où on a eu la reconnaissance officielle, tardive, enfin, de l'assassinat par l'armée française de Maurice Audin, hein, qui est dans un cénotaphe, c'est-à-dire un monument funéraire vide, c'est un sans corps, sans rien, au Père Lachaise, mais c'est la seule reconnaissance officielle que l'on a pour ce militant du Parti communiste algérien qui soutenait la cause indépendantiste. Et vous, vous êtes dit, ben, y a tous les 1000 autres et plein d'autres, et 1001 et 10 000 autres, Maurice Audin. Alors, ces 1000 autres, on savait qu'il y en avait des milliers d'autres, mais on ne connaissait pas leur nom. Hein. En gros, si en France, on ne connaissait guère, à propos des disparus, les fameux disparus de la bataille d'Alger, que le nom de Maurice Audin. Or, le prix inestimable de cette archive que j'ai découverte effectivement en 2017 aux Archives nationales d'Outre-mer, c'est qu'elle nous livre, documentée par la préfecture d'Alger, les identités, les professions, les familles qui viennent dire un tel a disparu. Parce qu'au bout de quelques jours de terreur parachutiste, les autorités françaises sont submergées de demandes des familles disant mais on a enlevé mon père, mon fils à telle heure sous mes yeux, est-ce que vous pouvez nous dire au moins s'il est encore en vie? Voilà. Et alors donc ils établissent ces avis de recherche qui sont en fait des avis de disparition inquiétante, mais dont tout le monde sait qui est l'auteur de l'enlèvement. Hein, c'est l'armée française. Mais comme les autorités françaises politiques ont abandonné tout contrôle de l'activité des militaires, ils ne savent pas répondre à ces familles. Et donc ils envoient ces avis de recherche à l'armée, à Massu en l'occurrence, qui généralement ne répond rien, ou répond souvent à côté, ou des mensonges, pour savoir, voilà, pour donner éventuellement une information aux familles, ce qu'ils ne font jamais. Hein, voilà. Et donc, nous avons, quand j'ai trouvé ce document aux archives, je me suis dit tout de suite, mais les seuls à pouvoir nous dire ce que sont devenus ces gens dont la préfecture, en quelque sorte, atteste qu'ils ont été enlevés, ce sont les proches et les descendants de ces personnes. Et on a eu recours à l'Internet, bien sûr. On a constitué, avec l'aide de l'association Joseph et Maurice Audin, Josette et Maurice Audin, pardon, le site 1000autres.org, qui est devenu un instrument de recherche dans un projet historiographique que nous menons tous les deux, qui collecte donc une masse d'informations. C'est-à-dire que c'est un site participatif, et voilà, c'est l'occasion de le dire, hein, tout le monde peut regarder cette émission pour y compris continuer à y participer, puisque vous avez déjà, et c'est ce que vous nous avez raconté dans la série en 2022 sur l'histoire de ce disparu, Slimane Hassella, une disparition algérienne qui était un cas emblématique. Alors nous allons scroller le 1000autres.org pour que vous compreniez tous de quoi il s'agit. Donc cela recense les personnes enlevées, détenues, torturées, parfois assassinées par l'armée française. On voit ici la page d'accueil et cette mention Alger 1957 des Maurice Audin par milliers. C'est l'objectif de trouver et de rendre leur vie, leur histoire à ces milliers de disparus. Ce site, donc, contient un appel à témoignages en français comme en arabe, où les familles peuvent communiquer un cas d'enlèvement, de torture, de disparition. On peut naviguer dans les noms des détenus et disparus dont vous avez retrouvé la trace sur ce site. Et parmi eux se trouve, on prend un cas, le cas de Mohamed Saïdoun, un père de 4 enfants qui avait 37 ans en 1957. Il vivait à la cité Ben Omar, à Kouba, où il a été enlevé le 8 ou le 9 mars 1957 par les parachutistes coloniaux.
sur sa fiche, vous voyez, là, on trouve les documents officiels de la préfecture d'Alger, mais aussi, et c'est très émouvant, cette lettre de son épouse, Djamila, qui, en juin 1957, écrit aux autorités pour demander des informations sur son époux, dont elle est sans nouvelles. Malika Rahal, depuis que vous avez fait ce site, combien de, j'allais dire, de disparus cela a fait émerger ? Alors, je ne me souviens pas du nombre de réponses. Je crois qu'on peut dire qu'on en est aux environs de 400. 400 réponses. Hein. Et pour une centaine d'entre eux, par exemple, on est parvenu à mettre un visage sur le nom que nous avions. Donc, ça donne une idée. En fait, le site a changé d'aspect à mesure qu'au départ, les photographies que nous avions pour illustrer cet événement, la bataille d'Alger... Des photos de jeunes personnes, hein, on les voit... C'est très bouleversant, c'est vraiment... Et dans un certain nombre de cas aussi, on parvient à mettre en regard les lettres que nous avons trouvées dans les archives publiques, donc les familles qui se sont adressées à tel ou tel homme politique, à la femme du général Massur. Enfin, les familles ont fait feu de tout bois. Souvent, les épouses ou les mères se sont adressées, quand elles ne pouvaient pas écrire elles-mêmes, à des parents ou à des écrivains publics pour écrire ces lettres. Et parfois, les familles ont conservé en retour, quand il y a eu une réponse, elles ont parfois conservé la réponse. Et du coup, on peut reconstituer une sorte d'échange avec ces ironies ou ces choses assez tragiques. Lorsque, par exemple, on a des militaires qui répondent en disant « à telle date, telle personne a été remise à sa famille ». Oui, bah, sauf la famille, elle n'est pas au courant, elle n'a jamais en fait revu le disparu. Total. Et donc du coup, on est vraiment dans un mensonge assez douloureux. Donc ça nous permet de reconstituer cela. Et puis ça nous permet, outre les informations qu'on va avoir sur le disparu, sa vie et la disparition, ça nous permet aussi de réfléchir à la façon dont les familles ont continué de vivre avec la disparition. La disparition, c'est une sorte de torture à perpétuité en réalité. C'est une mort inachevé. Et donc, il y a tout un parcours que les familles de disparus continuent de vivre jusqu'à la fin de la guerre, et puis même encore après la fin de la guerre. Lorsque, par exemple, elles nous envoient des photographies d'identité, on se rend compte que ces photographies d'identité, elles ont souvent... En fait, ils les prennent souvent sur un cadre qui est sur le mur, ou elles nous envoient un photomontage qui peut-être a servi pour une exposition, ou pour être mis sur les réseaux sociaux. On trouve aussi parfois des photographies que les personnes ont mis sur un logiciel pour les coloriser, pour les transformer. Aujourd'hui, on se rend compte que les familles, elles n'ont pas cessé d'être dans une sorte de rappel et de commémoration de la personne disparue, et qu'en communiquant avec nous, dans les entretiens ou dans ces échanges, elles nous racontent aussi leur histoire depuis l'indépendance. Il y a un détail, moi, qui m'a toujours beaucoup bouleversée, ce sont les enfants de disparus qui, comme tous les autres martyrs, ont pu bénéficier d'une forme de protection nationale après l'indépendance sous la forme d'une pension. Et ils étaient plusieurs à raconter au cours d'entretien comment les familles recevaient un dinar par famille plus un dinar par jour et par enfant de enfants de martyrs. Et il y en a un qui me disait, voilà, je voulais vous dire, un dinar par jour, c'est l'équivalent d'un pain. Et donc vous vous rendez compte, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois. C'est-à-dire, voilà, on a eu cette aide de l'État, et c'est à la fois très modeste, mais nous, ça nous a permis d'aller à l'école, ça nous a permis d'aller au lycée. Voilà, donc une histoire qui se prolonge après l'indépendance du pays et qui ne s'arrête pas à l'indépendance. Ce Milot, c'est uniquement la bataille d'Alger. Hein, donc... Oui, alors on s'est limité par faute de moyens en réalité, parce que les disparitions, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Ailleurs qu'à Alger et après 1957. J'ajouterais aussi qu'on a mené, Malika et moi, au cours de plusieurs missions, des entretiens avec des proches et descendants de disparus, et que moi, j'ai découvert quand même dans ce projet l'extraordinaire vivacité du trauma colonial. Que j'ai pu toucher du doigt, si j'ose dire, hein, et qui rend particulièrement indécent certaines injonctions françaises, notamment en provenance de l'Élysée, en direction des Algériens, qui les invitent à tourner la page, à passer à autre chose, alors que la France n'a toujours pas admis la vérité des faits dont nous parlons. Hein, je pense que c'est important de le dire.
Elle n'a pas dit dans un discours officiel d'un président de la République que coloniser, c'était mal. Je le dis aussi simplement que cela. Tout à fait, oui, bien sûr. Et pour en revenir à Le Pen, écoutez, il semblerait qu'en France, avoir pris part à des exactions qui sont assimilables à des crimes contre l'humanité, dans le cadre des répressions coloniales, ne paraît pas particulièrement infamant. Sachant que sa fille ne les a jamais condamnés, non, bien au contraire. Sûr, bien sûr, et que finalement, Jean-Marie Le Pen, bon, à coup de procès en diffamation, etc., qu'il a fini par perdre, hein, il faut le rappeler, a réussi à brouiller les pistes et à faire en sorte que, ma foi... Et quand on parle des origines du Front National et du Rassemblement National, à juste titre, on mentionne les participants à la Fondation qui étaient d'anciens collabos, d'anciens Waffen-SS, etc. C'est vrai. Mais on oublie toujours, étrangement... la part très importante de l'idéologie colonialiste dans le Front National. Et alors pourquoi ? Mais écoutez, c'est parce que beaucoup d'autres forces politiques ont partagé avec le Front National ces infamies colonialistes. Hein. Vous avez cité la SFIO de Guy Mollet, mais on pourrait parler aussi des gaullistes, hein, parce qu'avant de négocier l'indépendance, le général de Gaulle a mené les 3 ou 4 années les plus dures de la guerre, hein, celle du plan Châle. Voilà. Donc, je voulais en parler justement parce que toujours dans ce passage de témoin, ce relais entre journalistes et historiens, vous nous avez aidé pour ça, Fabrice Arfi, pour les 60 ans de l'indépendance, avait fait une recherche, une investigation d'archives où justement sur De Gaulle, c'est un superbe au sens esthétique panoramique où il a fait quelques trouvailles qui vous ont bluffé, qui montrent que De Gaulle était au courant, et parce que ne jamais oublier que De Gaulle arrive au pouvoir grâce à tous ces ultras et ces factieux, et il va faire l'inverse de ce qu'il pensait, c'est-à-dire eux, ils croyaient qu'il allait maintenir l'Algérie française jusqu'au bout, mais toujours est-il que quand même pendant 4 ans, il va la maintenir. 4 ans de guerre en trop, 58-62. Et alors pour en revenir à la torture, j'ai rappelé récemment dans un article sur Mediapart d'ailleurs, que il y a eu un moment où la France a vraiment raté une occasion en or, si j'ose dire, d'avancer un petit peu sur cette reconnaissance de la simple vérité. Hein. Donc je voudrais rappeler que, je l'ai constaté, moi, les Algériens ne demandent que ça. Hein. Voilà. Un certain nombre de citoyens français aussi, d'ailleurs. Bon. Il y a eu ce moment, c'était 2000. En 2000, après l'énorme travail du Monde sur la question de la torture, est lancé un appel... qu'on a appelé l'appel des 12, avec un certain nombre de personnalités, comme Gisèle Halimi, Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwarz, Jean-Pierre Vernant, bon, j'en passe, qui appelait le pouvoir de l'époque à reconnaître, à condamner solennellement la torture prise comme symbole de toutes les exactions colonialistes. Au pouvoir, à ce moment-là, se trouvait justement Jacques Chirac, qui à l'Élysée, héritier du courant gaulliste, et Lionel Jospin, à Matignon, héritier du courant socialiste. Eh bien, malheureusement, l'appel des 12 est resté lettre morte, hein, et l'occasion ne s'est plus présentée, et on peut le regretter, mais c'est toujours à l'ordre du jour, parce que l'histoire apaisée qu'appelle de ses voeux notre actuel président de la République, elle ne saurait exister sans la reconnaissance de la simple vérité historique. Ouais. On arrive à la fin, je voudrais lire ce passage qui est le chapitre final du livre de Fabrice Ricé-Putti et vous demander de le commenter, Malik Haral. Qu'est-ce que le lepénisme, sinon un rejeton idéologique et politique du colonialisme ? Au moins autant que de la collaboration. L'ère coloniale incarne en effet, aux yeux de l'extrême droite française, l'âge d'or perdu du suprémacisme blanc. La guerre raciste à l'immigration et aux immigrés, la diabolisation de l'islam et des musulmans, celle des migrants exilés, la théorie complotiste et raciste du grand remplacement, thème qui triomphe aujourd'hui en France bien au-delà de l'extrême droite, sont l'héritage direct de ce passé, un héritage dont Le Pen, le Front National, le Rassemblement National sont les principaux passeurs depuis les années 70 et 80.
Oui, on reconnaît là bien hein, les idées qui avaient trait dans la colonie, qui sont typiques de l'Algérie française, mais qui existaient aussi dans d'autres colonies, qui existent encore dans d'autres territoires colonisés, qui sont cette peur de la submersion par la population colonisée, de la population coloniale. On est français en Algérie, on est en minorité, et on a ce fantasme de la noyade, on va se noyer dans le nombre, on va faire face à une vague submergente d'Arabes, notre sang va... Alors on a des textes entiers là-dessus, notre sang va se diluer dans un sang impur, etc. On va y perdre notre identité française et notre pureté aussi. Et on retrace évidemment ces idées jusque dans celle du Front National où on reconnaît bien là, cette peur de la submersion, elle est ensuite retravaillée dans un contexte français. Plus largement, je pense que dire que la France, elle n'a pas fait son tournant anticolonial, c'est pas juste qu'il s'agit de s'asseoir sur sa chaise en disant la colonisation, c'est pas bien. C'est qu'il faut aussi repenser à quel point la République a pu être la 5e République. C'est forgé en réalité dans le contexte colonial. Repenser aussi les différentes formes d'héritage que l'on a reçues de ce passé colonial, en voir qui en sont aujourd'hui les porteurs, et puis redéfinir aussi ce que peut être sa place dans le monde quand elle ne s'appuie plus sur ce passé colonial ou quand elle décide de se désolidariser de ce passé colonial. Et là, il est bien difficile, toujours actuellement, de ne pas de parler de colonisation sans parler de violences et de bombardements en cours à Gaza. En vous écoutant, j'y pensais, évidemment, que ce qui se passe aujourd'hui pour la Palestine et avec la riposte israélienne à l'attaque du Hamas et au massacre de civils, que nous avons condamné aussi, mais néanmoins, cette riposte est totalement de nature coloniale, de nature d'expulsion, de destruction de cette population. Et c'est difficile parce que repenser son rapport à la colonisation, c'est nécessairement aussi repenser sa politique extérieure, c'est repenser sa place dans le monde, de façon à être certain d'être à l'opposé de toute politique de colonisation. Ben merci Fabrice Rissé-Putti, merci Malika d'avoir accompagné. Vraiment, emparez-vous de ce livre. Faites des rencontres, des réunions. C'est un pédagogue formidable, vous l'avez vu, sollicité, mais elle est également très demandée, Malika Rahal, pour tout cela, parce que vraiment, ce travail historique est un travail tout à fait bénéfique, nécessaire, y compris pour qu'on y voit clair dans notre présent et dans ce que nous faisons. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Elle est en accès libre sur Mediapart. Tout cela est possible grâce à nos abonnés. Et donc, si vous ne l'êtes pas encore et si vous le pouvez, abonnez-vous. Bonne soirée.